Eh bah putain. On aurait galéré à trouver cette putain de manette, hein. J'avais perdu ma manette. Alors, Pokémon Rouge Feu, let's go. Eh bah je trouve pas Pokémon Rouge Feu dans les catégories, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel banger quand même cette musique de Bayonetta. Je ne trouve pas. Ouais, il met la version rouge, mais il met pas la version rouge remake, espèce de. Espèce de con. Verfeuille, ça trouve pas. Rouge feu, ça trouve pas non plus. Bah, ça sera la Pokémon rouge, la première version, qu'est-ce que je te dise. Impossible de trouver les remakes. Allez! On va faire rouge feu, ouais. Enfin, on va continuer rouge feu. Si du moins j'arrive à lancer le truc. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse Bayonetta. Je vous le recommande. Pour moi, le 1, c'est toujours le meilleur beat'em up de ces dernières années, bien sûr. Ouais, j'ai essayé Red Fire, Leaf Green aussi en anglais. Je ne trouve pas, écoutez. Je ne trouve pas. Allez, je sais même plus où est-ce qu'on. Ah oui, on était à Safrania. Je vais réessayer, hein. Pokémon. Ouais. Pokémon rouge. Feu, ça trouve rien. Verfeuille, ça trouve rien. Red Fire, ça trouve rien. Leaf Green, ça trouve rien. Merci Battle Tomboy pour le sub. Alors pourquoi il est encore sur Biomutant ce con là? The fuck? C'est bon, il est là. Ah voilà, il est là, c'est bon. C'est Fire Red tout collé. Alors attendez, j'essaye. Fire Red. Ah, c'est Fire Red tout collé, Cimer. Effectivement, c'est ça, merci. Merci encore, hein, Battle Tomboy, pour le sub. C'est pas centré là. C'est pas centré. Alors attendez. Ça va être compliqué de centrer aussi là. Au secours. Ah si, c'est centré. Ok. Allez, on était du coup à Safrania. Il fallait qu'on se fasse Morgane, qui est une psychopathe, rappelons-le, dans le dessin animé. Cette grosse malade. On avait fait la Team Rocket. Voici la team. Un petit vagin hanté level 35. Un petit pozo. 38, un petit Normie 39, un petit Axoul 35, un petit Adjestic 39, un Kenimaro 34, sachant que c'est le gros point faible de l'équipe Kenimaro. Il est pas fou. Il est vraiment pas dingue. Ouais, elle est trop dark, Morgane. Attendez, elle kidnappe Ondine et Pierre dans le dessin animé. Enfin, je sais plus si elle kidnappe les deux ou un des deux. Enfin, elle kidnappe des gens et elle les réduit. Voilà, Kenimaro, c'est le point faible, mais il existe. Il est dans la team quand même, il faut le dire. Bien. Type psy. Type psy, c'est quoi? C'est type insecte et ténèbres. Malheureusement, type ténèbres, on a que dalle. On a un type insecte évidemment, mais le problème c'est que celui qui a l'attaque insecte, bah il est de type poison, donc il va se faire péter la gueule. Allez, bon courage à tous, hein. Allez. La sixième arène du coup. Prospère.
Ça commence bien, type eau contre un type sol roche, j'aime beaucoup. Pour rappel, nous sommes en mode défini du coup. J'ai oublié de le mettre. Allez, tu vas prendre ta part. Rhinocéros, je crois pas qu'il la prend morsure ou mâchouille. Mais de toute façon, ça va le faire. Hein. Je la défonce. Avec ou sans attaque ténèbres. Don't worry, Biapi. Par contre, faut vraiment qu'Adjestic apprenne le tonnerre. Faut que j'aille l'acheter au casino. Pareil, laser glace, crustabri, il va lui falloir. Oh là là, le double coup critique, mais qu'est-ce qui se passe là? Il fait le show devant les viewers. Oh putain, par contre. Oh ouais, oh putain. Alors là, attention, ça rigole plus. Hein. Ah, mais on a ça anti-passecte, attendez. Wouah, les dégâts de ouf! On aurait mieux fait de faire l'attaque électrique, putain. Oh, il tape. Ah oui, il tape 4 fois, mais il fait vraiment le show devant vous, là. Il est pas content. Non, c'est pas petit d'arnuer sur Voltali, vu que je crois qu'Insecte, c'est attaque, et Voltali, bah, il est bon en attaque spéciale. Ça, c'était un peu les limites des premières générations, à l'époque, où ils séparaient les spéciales et physiques comme ça. J'étais pas fan, je préfère largement ce qu'ils ont fait à partir de la 4ème gen. Voilà, il y avait deux arènes avant. Le dojo karaté a perdu son titre d'arène le jour où nous l'avons pulvérisé. Il ne pouvait pas y avoir deux arènes ici. Oh le lore, mais le lore! Oh la 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 la. Faut toujours qu'il fasse des arènes comme ça, la con. Ça, c'est comme l'arène d'Adrian, là, dans Ruby Saphir. Je joue à Earthgold en ce moment, je reviens pas du downgrade de Fatal Foudre graphiquement par rapport aux versions GBA. Alors j'avoue, je me rappelle plus du tout de la gueule qu'a Fatal Foudre dans la 4ème gen. Je ne m'en rappelle plus. Oh là 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 là, ah ouais non mais Axiul il a aucune défense spéciale aussi, Axiul. Ah ouais non mais là Axiul... Falloir faire quelque chose mon petit Axiul. Hein. Moi je pense... Il me fait pas une attaque haut. Ou alors je la peur. Ah. Je la peur encore, je pense. Non, il est juste con. Il est juste con. Oh putain, attention. Fais pas le con, Axiul. Oh putain, monsieur Mime, le goat, attention. Monsieur Mime, monsieur Mime, monsieur Mime. On va XP un petit peu Vagin Hanté, même si Vagin Hanté n'a pas beaucoup de défense spéciale. On va voir si ça passe. Oh putain, je suis mort. Je suis tellement mort. Oh putain. J'avais oublié que ce con avait une attaque plante. Non! No. Ah bah il se met un petit peu poso, il faut qu'on la... Elle évolue le L55, il faut qu'on la pexe. Le beau papa de Sacha, ah ouais ça c'est dark ça. Ah ouais. Ah ça c'est malsain là, dis donc. Mais c'est vrai que la relation entre la mère de Sacha et son monsieur Mime a toujours été un petit peu particulière, hein, on va pas se le cacher. Allez, tu me l'as peur. Ça, c'est dommage qu'on ait pas de type C dans la team, parce que vraiment, le type C dans la première gen... il est vraiment pas dégueu, ce type. Il y a bien noix de coco, hein, mais... Je sais pas, j'aime bien Kenimaru, on va essayer de le garder un petit peu... Plus t'auras courage, plus le temps va avancer, moins ça va devenir ouf.
chaînes qui boudent. Avec cette théorie aussi. Enfin, une théorie. Peut-être la vérité, hein. Je vois que tu as pris le Pokémon qui a servi de bras d'acier au Big Daddy de Rapture, Axiul. Eh oui. Le bras de fer. Donc ça, ils craignent les insectes et les spectres. Non, 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 tu nous dis pas tout. Tu dis des bêtises. Tu oublies le type ténèbre. Ouais, mes amis, à l'origine, dans la première gen, ça n'existait pas. Pas dans la version d'origine, du moins. D'ailleurs, je voulais faire apprendre Balombre à Voltali, hein, mais je ne sais plus où on a Balombre. Donc, je suis baisé. Est-ce qu'on apprend Balombre, là? Je me demande c'est pas au casino, la con, si c'était Balombre. À tous les coups, c'est bien, putain. Où es-tu, Balombre? Balombre, il est là. C'était 30, casino de Céladopole. De Céladopole, pardon. Le problème, c'est que ça coûte une blinde. Ça coûte une putain de blinde. Et ça pourrait être très efficace contre Agatha aussi. Allez, je me casse. Je vais aller me soigner et puis je vais aller voir si je peux prendre cet éballon à la con. Merci Pouka pour le prime. Voilà, les primes sont affichés. Oh putain, non, ballon, c'est physique. Oh, c'était physique encore en 3G. Putain, mais c'est type spectre et c'est pas spécial. Ah ouais, non, c'est pas ouf, en vrai, de la prendre sur Voltali, alors. Attendez, c'est vraiment physique, spectre. Putain. Oh là là, jusqu'à la troisième génération inclus, ce type était classé physique. Ouais, c'est même pas la peine. Va me faire chier à prendre le ballon sur Voltali. Je vais voir à quel point il est nul en attaque. Attaque 57, attaque spéciale 96. Par rapport aux autres... Non mais même Kinemaru a plus d'attaque. Ok, c'est même pas la peine. Excusez-moi, j'ai pas envie d'être médisant envers Kinemaru, mais si même Kinemaru te dépasse dans une stat, c'est que vraiment il y a un problème. C'est ton point faible, vraiment il faut faire quelque chose. Excusez-moi, hein, mais il fallait un point faible dans la team, c'est Kinemaru. Là vraiment... Kinemaru, j'aime beaucoup son moveset, mais faut avouer que niveau stat, il est pas... Ouais, donc ça veut dire que Balombre, effectivement, est une attaque physique qui baisse la défense spéciale. Ouais, c'était vraiment limité à ce niveau-là, les premières gènes. Je suis vraiment content de ce changement qu'ils ont fait au niveau des physiques spéciales, là, dans la quatrième. Voilà, rien que pour ça, la quatrième gène, tu vois. Je la respecte. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? J'ai fait, hein. Moi je veux défoncer tout le monde. Je veux Pex, hein, je vous le dis. Attention l'exorciste. Alors Axiul, on va plutôt te donner le multi-exp. Parce que tu te fais défoncer, tu n'as pas de défense spéciale en fait, c'est le problème. Et on va essayer de Pex Pozo à la place, on va lui faire tenir la pièce rune, bien cheaté. Et Machouille attaque ténèbres, donc spé en 3G, baisse la défense. Des petits trollers Nintendo, hein, des petits trollers. Est-ce que ça marche les attaques dragons? Ouais, les dragons ça marche contre Spectre. Oh non, pitié. Tu nous emmerdes avec prélèvement du destin, là. Allez, 33 de dégâts dans la gueule. Merde. Fantominus et Crustabrix ressemblent un petit peu. Enfin, la perle de Crustabrix, du moins. Il y a un petit air. Tatiana, tu vas rien faire. Je te le dis, tu vas rien faire.
Voilà, le petit one shot, c'est ça qu'on veut voir. J'étais un peu sous level avant, mais ça va, les Pokémon ont pas mal rattrapé le retard. Allez, Vagin Hanté. Il fait des petits dégâts, Vagin Hanté, quand même. Hein. Il picote. D'accord, t'avais prévu de perdre, bien sûr. Oh, j'ai encore oublié d'acheter des potions et tout le bordel. Ah, mais j'en ai plus, en fait. Ah, mais je peux pas continuer comme ça, j'ai plus de popo. Ça, c'est con, ça. Putain, j'ai oublié d'acheter des limonades et tout le bordel, là, au secours. Il me faut du swing, beaucoup d'aller-retour, hein, mais malheureusement il faut... J'ai buté lui déjà ? Non, j'ai pas buté. Putain, je me rappelle plus de l'endroit d'où je viens. Monsieur Mime, Tyrone. Putain, les attaques dragons en voie de disparition dans la première gêne, bien sûr. Heureusement qu'il y a eu Dracogriffe dans la troisième. Ok, c'est bien, Xoul. Continue up. Continue up, mon grand, c'est bien. T'es grand. T'es grand aujourd'hui. Allez, petite souplesse dans la gueule. Oh putain, je vais prendre cher. Oh, mais les dégâts de souplesse de Pozo, mais... C'est dingue. Oui, on a compris, elle a pulvérisé le grand maître de karaté, vous incitez beaucoup dessus, on a compris. Ok, alors toi on t'a déjà cassé la gueule. Toi non. Le champion de la reine Pokémon de Safrania est une médium psy. Tu veux voir Morgane? Je lis tes pensées, ne mens pas. Non, si tu lisais mes pensées, tu ne verrais rien d'autre que Metroid Prime 4. Polo. Pozo, tu me l'éclates, tu me le défonces. Oh là là. C'est qu'il en a des points de vie, ce con. Oh non, Pozo, t'as pas le droit. Oh non, Pozo. Oh, Pozo. Tu n'as pas le droit. Oh, Pozo. Bien joué! Oh, ça aurait... Putain, 667 divisé... Putain. Il donne 667 à deux Pokémon. Putain, 1200 quasiment. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai lu dans ton esprit, c'est pas très clair dedans. D'accord, ok. Bah, désolé, mon pote. Souplesse 80, précision ressenti 50. On est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est une catastrophe, souplesse. Je crois que c'était là. Hein. Absolument pas. Voilà, merci. Je vais acheter des potions, là, c'est une catastrophe. J'ai plus rien, j'ai plus de rappel, j'ai plus de popo. Oh, le gros carnage de fou, quoi. Salut Romaric. Alors, super, tu n'as pas de super potion. J'adore, c'est super. «
Ça, c'est de la bicyclette, mon gars. La route 7, hein, la route la plus grande du monde, on le rappelle. Alors, je le soigne vite fait. Parce que là, j'en ai besoin. Je vais m'acheter des petits rappels et des petites super potions. Hyper potions, là, tout de suite, ça vaut pas trop le coup. Sachant que dans mes souvenirs, c'est plus worse de prendre des limonades et tout le bordel, mais est-ce qu'on a vraiment envie de spammer le bouton A pour prendre 10 limonades? Un petit peu la flemme, je t'avoue. Mais c'est pas ça. C'est devant la fontaine. Alors où est-ce donc? Où est-ce que c'est déjà? Ah, alors hurlement, ultra-laser, tunnel, casse-brique, force cachée, attraction. Ah, tu vois, on pourrait apprendre tunnel déjà à Rhinocéros, vu qu'on sait qu'on peut racheter tunnel quoi qu'il arrive. Aucun regret. Parce qu'il a pas d'attaque sol, le bonhomme. Et c'est bien triste. Qu'est-ce qu'on va te faire enlever? Grimace, on le fait jamais, on va pas se le cacher. On fait jamais Grimace. J'aime pas avoir 4 attaques offensives, j'aime bien avoir une petite attaque qui buff ou debuff, mais bon. Pour le coup, Grimace, on l'a jamais utilisé de notre vie. Ok, c'est cool. Ah, voilà, alors. Ok, on peut acheter 99 super potions, c'est super. On va en prendre 30. Rappelle combien on en a, 10. Oh putain, toute la thune qu'on a. Oh là 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 là, mais toute la thune. Tu me diras, je m'y suis pris très tôt hein, pour la pièce rune. Je voulais acheter les CT tonnerre et laser glace. D'ailleurs, je sais pas si c'est possible de les acheter maintenant, mais il faudrait que je vois combien de jetons je peux acheter avec cette merde. Dans mes souvenirs, c'est très très cher les jetons. Ouais, le racket c'est rentable hein. Et oui Jamy, si tu manques d'argent, travaille pas. Racket. Racket les gamins de 7 ans et leurs Pokémon à la con. Perso je suis un bot, c'est pour ça que je parle pas. Ah c'est cool putain, mais du coup on va pouvoir poser plein de questions. Comment vous faites alors pour manger tout ça? Enfin vous mangez pas du coup. Mais vous avez jamais été curieux de tester ce qu'on faisait nous, genre de manger, de... Non? Qu'est-ce que vous faites pour vous amuser en fait? Non oui vous écrivez des commentaires avec des gros boules en photo de profil sous les vidéos YouTube. Mais vous avez jamais essayé de manger ou... De jouer à un jeu vidéo ou de faire l'amour, non, je sais pas. L'aura du maître déteint sur ses Pokémon. Tes Pokémon doivent être forts alors. Ah, ça fait plaisir ça. Enfin quelqu'un qui nous insulte pas nos grands morts. Faire la quoi? La quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne connais pas ce mot. Moi je joue à League of Legends. Faire l'amour pour moi c'est passer gold. Je l'ai pas tué là? Fuck. Ouais. Ok. J'ai encore beaucoup à apprendre, je dois maîtriser Psycho et l'enseigner à mes Pokémon. Mais c'est super ça! C'est très bien que tu nous racontes ta vie comme ça intéresse tout le monde. Alors, Super Popo, évidemment. On va peut-être y en acheter plus de. Dracolo, c'est level 55. C'est level 55.
C'est fort hein, aussi Ténèbres, je trouve ça très très fort moi. Enlever le niveau, enfin ton niveau en point de vie, je trouve ça très 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 fort. Ça veut le streamer qui pense à ses viewers, c'est beau. Ouais, parce que je sais qu'il y a des subs potentiels du coup. Dès qu'il y a de la thune. Ça c'est sûr. Ou alors par contre j'ai mon deuxième écran là, je sais pas ce qu'il a depuis tout à l'heure. En fait c'est le câble HDMI je crois qui s'est emmêlé sur un truc. Merci Battle Tomboy pour les 5 subs. Vous voyez ça marche. C'est pour ça que je fais genre. On a des subs grâce à ça. Alors voilà, j'ai réglé le problème. Ah putain, vous voyez, là on a fait 5 subs et on va avoir les 5 subs. On avait un bug qui nous empêchait d'avoir ce genre de subs. C'est de retour. Oui, non, j'ai bien compris, hein, Romanic. J'ai bien compris que tu disais pas que c'était dérangeant. Je disais juste que moi je le trouvais plutôt actif, justement. Dans une baston, ce qui est important, c'est la volonté de gagner. Si tu veux gagner face à Morgane, concentre-toi sur la victoire. Merci pour ces conseils avisés. Merci beaucoup encore une fois Battle Tomboy pour les 5 subs. Ça va y aller niveau Burger King les gars, let's go! Alors c'est le moment où on va un peu tourner en rond. Ok, celui-là, on l'a déjà fait, elle, ok. Oh putain! Je pense qu'il faut que je retrouve comment aller juste à gauche là. Celle où les 4 points de TP sont serrés. Voilà, ici. Je pense que la réponse est par ici. Je pense que la réponse est par ici, messieurs, dames. Absolument pas. Je regarde juste si j'ai fait tous les dresseurs, ouais. Ah ouais, non, à mon avis... Avec ça, tu pourras payer un kebab à tous tes Pokémon, tous tes potes. Non, non. Non, non, ils vont se faire foutre. Non, non. C'est eux qui vont me payer le kebab. Déjà que j'achète... J'ai acheté Pikmin 4 là à Pierrette, il a joué 5 minutes alors qu'il m'a dit qu'il le voulait, c'est bon, à un moment, c'est bon quoi. Attendez. Trop chiant le mec quoi, attendez. Putain mais... À l'aide ? Ah, c'est l'Australopithèque. Eh bien voilà ! Ça a commencé à devenir un petit peu gênant là. Alors, Pouzou en premier. Alors, qu'est-ce qu'elle m'envoie elle? Je crois qu'elle a un Alakazam, un Kadabra. Je crois pas qu'elle est hypnomade. Hein. Je crois que dans. Ah, mais en fait, dans l'arène, personne n'a hypnomade. Il y a une petite. Quand même, une petite discrimination, je trouve. Petite discrimination, je trouve, moi. Envers les hypnomades et les soporifiques. Même si c'est des Pokémon de Team Rocket. J'avais prédit ton arrivée, j'ai des pouvoirs psychiques depuis l'enfance. J'ai appris à plier des cuillères par la force de l'esprit. C'est pas super utile, mais ça en jette. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Je n'aime pas les combats, mais si tu insistes, je vais te montrer mes pouvoirs. Musique Masterclass, j'aime tellement cette musique. Elle avait pas un fouet, Morgane, dans la version originale d'ailleurs? T'es trop dark. Allez, on la baise. Ça commence mal. Ah, c'est trop néo, Morgane. Oh putain, je vais prendre impression, quoi qu'il arrive. Allez, après, ce qui est bien, c'est qu'elle l'a pas mis midlife, Pozo. Du coup, elle aura pas le temps de faire super potion. Parce que j'appréhende, c'est un peu la Lakazam.
On va vite lui faire un cage éclair dans la gueule. Par contre, Pozo va prendre le... On teste, souplesse, allez. Oh, 80 de précision, ressenti 50, c'est ce qu'on disait, au secours. Je vais prendre la préscience dans la gueule. Ça va. Ça aurait pu être pire. Je pense que je le bute là. Il reste moins de 40 points de vie là. C'est bien ça, Pozo. Deux Pokémon à toi toute seule. Ok, c'est bien. Hein? Elle a un Kenimaro! What? Alors, il... Excusez-moi, madame. Je sais qu'il a des attaques psy, mais c'est un type insecte poison, madame. Oui, bah bien, alors son Kenimaro à elle, par contre, il fait des coups critiques, d'accord, ok. Putain, elle a un Kenimaro. Ouais, j'ai fait ça, mais en vrai, ça va être un combat d'infirme. Un combat d'infirme, let's go. Ah, bah bien sûr, il a Rafale Psy, moi je suis poison, je vais avoir mal. C'est pas juste. Ok, au moins elle va utiliser une potion sur lui. Putain, son Kenimaro, il est quand même bien meilleur que le nôtre, hein, je vous le dis. Je veux pas juger, hein, mais... Enfin, ça, Kenimaro, du coup. Je pense qu'on est mort. Merci d'être passé, Kenimaro. Je suis sûr qu'elle ne tuait pas Pozo si elle faisait pas un coup critique, son aéromythe. Quelle tristesse. Insecte contre la glace et du caca, non? Bien sûr, il attaque avant moi, bien sûr. Ah non, glace contre insecte, ça fait rien du tout. Sérieux? Non, ton aéromythe est plus rapide que mon crustabri. D'accord. Mais un petit peu de l'arnaque là ton truc là. J'aurais dû envoyer Dracofeu. Je voulais faire Pex Vagin Hanté, mais j'aurais dû envoyer Normi. Bon allez, fini de jouer, tu vas prendre. Bon, ça m'énerve un petit peu là. C'est vrai que même Koga n'a pas de d'aéromythe. Alors je crois qu'il a un aéromythe dans Earth Gold. Mais ouais, dans cette version il en a pas. À la Kazam du coup, ouais. Ah ouais, level 43. Ah. Ah. Je crois qu'un petit brouillard ça ferait pas de mal quand même. Oh, il est brûlé, nice. En fait, je vais l'enchaîner. S'il est con, il refait plénitude. Ah! T'as un total soin, toi, maintenant. Bon, je pense pas que ça te serve à grand chose, tu me diras. C'est vrai, je n'ai pas fait de mon mieux. Tu peux juste te dire que j'étais meilleur que toi, sinon t'inquiète. Le badge marais, les Pokémon de niveau 70 t'obéissent. Les Pokémon les plus puissants seront incontrôlables lors des combats. Fais en sorte que tes Pokémon ne dépassent pas cette limite. Bla bla bla. La CT4, mon cul, c'est plénitude, non? Et j'aime beaucoup plénitude. Je l'avais découvert avec Kyogre. Dans Ruby Saphir, merci pour les GG et j'aime beaucoup Plénitude. Où est la corde sortie?
Ouais, je trouve ça très très fort, Plénitude, moi aussi. Gratos comme ça, attaque spéciale et défense spéciale en plus. Je n'ai toujours pas vol. Je crois que vol, c'est le mec à gauche de Cédalopol qui. C'est la Dolpol, pardon, qui te le donne. Je vais vérifier, c'est vrai que j'ai pas été voir ce qu'il y avait en haut de la route là, à gauche de Slaldopol. Alors, est-ce qu'on peut prendre un petit Misterbe du coup? Misterbe qui a coupe et flash, qui est du coup le Quenotor hein, de cet épisode évidemment. On remercie Kilimaru hein, d'avoir carry pour le fight, bien sûr. Merci beaucoup. Ah, excuse-moi. Ah, le badge Miyazaki, je viens de comprendre, le badge marais. Putain, le badge qui fait mouiller Miyazaki, ça rigole plus. Kilimaru le goat. Salut Swanton. Alors, est-ce que c'est là qu'on a vol? Je ne pense pas, hein, mais j'ai un souvenir de. Oh putain, il y a combat double ici, attention. Mais c'est pas du tout là qu'on a vol, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi j'ai le souvenir qu'on a vol ici? Ah bah si, c'est ça. Ah bah ouais, c'est ça, c'est vol. Fais-en bon usage. Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Rien, juste fais-en bon usage. Bon alors on va faire le duo Kenimaru Axiul. Ah bah non du coup j'ai dégagé Kenimaru, merde. Bon bah tant pis, ça sera Pozo et Axiul. Je suis parfois effrayé par la force de notre amour. C'est beau. Regardez-moi ces petits canards là. Lise et Ali. Galopa et Fenard. Ah oui. Oh oui. Ah ça se fait pas chier quand même, hein, ça a des gros Pokémon là. Par contre, ton Galopa, il est level 29. Il y a un problème. Excusez-moi, hein, mais... imaginez-moi avec le smiley, avec les deux dents qui dépassent et les lunettes. Mais excusez-moi, mais Ponyta, il évolue après level 29 dans mes souvenirs. Excusez-moi, hein, mais... Non, mais attendez. Et Ponyta évolue au niveau 40, et qu'est-ce que c'est que cette arnaque, là? Non, mais je veux dire, foutez de la gueule de qui, là? Bon, c'est bon, quoi. Ça cheat! Et puis bon, faire évoluer ton Goupix aussitôt. Enfin, je veux dire, voilà, Fenard il aura pas appris dans ce flamme, ça n'a pas de sens. Ah ouais, la roche c'est fort contre le feu. Mec, Auguste de Cramoisil, on va le bouffer en 4. On va lui casser la gueule. Ça ne vaudra jamais le Trioxydre de Gétis dans la 5G, ça ira, c'est vrai. J'ai toujours eu des coups comme ça. Hein. Oui, effectivement, le Roucoups de... comment il s'appelle Norbert, je crois. Le mec de l'arène vol de Or Argent. Ils aiment bien ça, ils aiment bien. Alors qu'à l'inverse, la Team Rocket. Ratata, level 52. Ah non, je veux pas qu'il évolue. Je préfère quand il est violet. J'aime pas quand il est gris. Non, non. Ratatac marron, pas mon délire. Non, non, je préfère Ratata violet. C'est pas mon délire. Ah oui, non, c'est pas Norbert, c'est Albert, ouais. Je dis bien que ça finissait en Bert. J'avais oublié, là. Alors, qui pourrait apprendre vol qui pourrait apprendre vol? Ah, tiens, allez, hop. Le petit chaud, là. Allez, toi, tu peux apprendre vol, je pense. Allez. Parce que j'ai pas envie de l'apprendre à mon Dracaufeu, donc t'es bien gentil. Tiens, d'ailleurs... Est-ce que Dracaufeu peut apprendre vol? Parce que ça, c'est un mème, hein.
Est-ce qu'il peut apprendre vol dans cette gêne? On va voir, attention. Ce serait marrant qu'il puisse pas. Il peut apprendre vol dans les remakes. Hein. C'est fou ça. Ah puis l'animation de vol elle est encore mieux que dans Ruby Saphir. Le Pokémon il va vers, vers nous. C'est trop stylé. En 15 gains. Bien sûr. Allez, let's go pour Cramoisil. On va se faire le petit manoir. C'est là qu'on peut avoir sac de nœuds, mais je m'en bats les couilles de lui. Allez, baston, j'ai envie de casser des gueules. J'ai une bonne prise, tu veux tester? Si tu m'envoies un Magikarp, mec. Ah ouais, et puis en plus, il est niveau 27, hein, la gueule du mec, quoi. Il fait même pas évoluer son Pokémon. Espèce de con! Il m'a vraiment envoyé un Magikarp devant ma gueule, niveau 27, il a même pas fait évoluer ce con. Allez, envoie-moi tous tes Magikarp, c'est bon. Il y en a un des trois, je suppose que c'est un Léviator. Ah oui, il y en a 6! Oh. Il y a 6 putains de Magikarp. (rire) 57 points d'expérience, super. Ils sont tous niveau 27, mec. Aïe, 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 aïe. Très bon pêcheur, lui, effectivement. Ah ouais, le fameux pêcheur, il y en a un dans chaque gène, hein, qui a 6 Magikarp, effectivement. Le Goat. Allez, je suis sûr qu'il va nous sortir un petit Léviator, là, un moment. Et ça sert à rien, 57 de points d'XP, mec. Aristide, en plus, ton prénom, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Aristide. Aristide, tu nous auras juste fait perdre du temps. Tu voulais juste faire le show devant les viewers, c'est tout. Tu voulais juste passer à la caméra. Et je pense qu'il a eu 6 Master Ball, du coup, effectivement. Faudra pas qu'on oublie d'utiliser la Master Ball sur... sur Magikarp, bien sûr, avant de... Comment dire? Avant de finir le jeu. Merci Battle Tomboy pour les 6 subs. Donc là, les 6 subs qui ont été donnés sont les Magikarp. Donc Patrick Sébastien Lebro, Slotion, Jean Bonneau du 26, Zizayen, Shalom, Lomcha et 8 Romiel, cette circonstance, ce sont nos 6 Magikarp. Bien joué. Merci pour les 6 subs Battle Tomboy. Je ne pêche que des Magikarp. Ouais. Donc ça veut dire que le mec, même s'il chope un barpo, il s'en bat les couilles. Quoi. Tu veux savoir s'il y a des poissons ici? Bien sûr. Fabien. Alors... Poisson roi, voilà, c'est autre chose que l'autre connard du dessus, hein. Là, ça sort autre chose que Magikarp. Merci Daikenzo pour le 13e mois. Fabio lance Magikarp, incredible. Et d'ailleurs, on a rencontré pêcheur Fabio encore une fois, hein, sur cette run du coup. De Verfeuille Rouge Feu, je sais plus quel Pokémon il avait, je sais plus s'il avait un Magikarp, le petit bonhomme. Je ne sais plus vraiment. Oh Pozo! Oh Pozo! Alors Fléau, je confonds. Fléau, je crois que c'est l'attaque qui fait de plus en plus mal. Moins t'as de vie, plus tu fais mal. Je confonds avec Façade. Façade, je crois, c'est le truc qui fait mal quand t'es paralysé, brûlé ou empoisonné.
pas pourquoi j'ai confondu les deux attaques, mais je crois que c'est ça. C'est pareil, Poisson Roi. Qui a déjà eu ça sérieusement dans son équipe? Je dis pas que c'est un Pokémon nul, mais c'est le Pokémon que tu vois partout, sauf chez les dresseurs humains. C'est comme Kenimaru. Kenimaru, personne sauf moi a Kenimaru dans sa team. Alors que ça se trouve, Poisson Roi, il a des stats de baiser. Déjà, il est en pâle corne. Bon, faut que ça passe, mais quand même. Rate pas Pozo, s'il te plaît. Bien joué. Ah si, Poisson Roi, c'est bien nul. Ah ouais. Bon, bah. Tant pis. Paf. Ça fait des chocs à pic. Il y a comme un manque de poisson. Demande au mec au-dessus. T'inquiète, il en a du poisson. Demande-lui, t'inquiète. Ah putain, mais Kenimaru, j'oublie toujours que je l'ai pas avec moi. Merde. Merde. Lee et Yann. Ça fait Lian. C'est rigolo. Hypocéon et Staros. Alors, est-ce que vous pensez qu'Axioul tient le coup? Moi, je pense pas. Hein. Je pense qu'on va vite le dégager, le bonhomme. Bon, tout le monde me dit que c'est Gaze, Poisson Roi, d'accord. Son Staros vient de faire soin, là. Ah ouais. Tu me le butes. Si tu me le butes pas, ça veut dire qu'on a vraiment besoin de tonnerre. Voilà, c'est bien. Oh là là. Et Axioul peut-être up avant la fin du live. Hein. Putain, il a en pas le corps le bonhomme. Ah mais le truc c'est que 32 précisions, franchement. Moi ça m'emmerde, hein. Glaciation, abîme, tout ça, là, cette attaque là ça m'emmerde. C'est cool si tu veux jouer à l'Ekaflip, mais là j'ai pas envie de jouer à l'Ekaflip. Ça peut être grisant, mais là j'ai pas envie. Excuse-moi, mais... La petite darnuée. Je te finis avec mon attaque la moins forte. Je sais même pas si je te finis, d'ailleurs. Ah ouais, c'est une catastrophe, hein. Darnuée sur Voltali. Tu vois, on a perdu. T'es content? Bah plutôt, ouais. Ah oui, alors le petit frère, il est plus motivé quand même. Hein. Je suis revigoré par l'écume. Salut à l'envers. Nageur Sylvain. Bah vas-y. Hein. Dragon contre dragon, enfin, futur dragon. Quel swag Hypo-Roi quand même. Même Hypo-Séan j'aime beaucoup, hein, mais bon. Ça me fait chier de jouer Hypo-Séan sachant qu'Hypo-Roi existe et que je peux pas le faire évoluer. Oh là 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 là, mais dis donc Sylvain, il a un tentacruel le bonhomme, il fait évoluer ses Pokémon lui. Hypo-Séan est tentacruel le Sylvain, hein. Attention hein. De l'eau contre un type dragon. Espèce de con. Il continue encore en plus, hein. Il va me faire baisser ma vitesse. Pokémon qui aura donné bien des fanarts, bien sûr. Oh putain, 724 aux deux Pokémon. 1400 XP, mon pote. Et bah dis donc, nageur Sylvain, j'aime bien comment les nageurs te donnent aucune thune par rapport aux autres dresseurs. En mode, bah ils ont rien sur eux, c'est normal, ils sont en slip, mais il y a quand même 200 balles dans son slip au mec. Hein. Ça sent l'objet là. Pour pas pour un con. Non, je peux pas y croire.
Oh non, il n'y a pas d'objet. Oh non. Quelle tristesse. Nageur Sylvain. Nageur Sylvain. Il est où? Il est là. Ah bah c'est ça que j'ai sélectionné. Alors non, il n'y a pas d'objet ici. Et puis ça dépend de l'encombrement de base du slip en question aussi, effectivement. Effectivement. Moins il y a de thunes, forcément, plus il y a d'arguments en fait. Bon alors, est-ce que t'as autre chose à nous proposer que Aristide et Cécile Magikarp? Claude. Oh, un petit coquillasse, j'aime bien, il a des bons goûts. Crustabri le goth. Bon, malheureusement, il a... Oh putain, attaque glace. Pozo est mon Pokémon le plus puissant, hein, je tiens à le dire. Level 40. Un petit peu triste, mais c'est comme ça. Il faut qu'elle bouffe de l'XP pour devenir un magnifique Dracolos. C'est comme ça. Bonsoir Monsieur Savon, je ne suis pas très bavard sur les chats ou les commentaires, mais sachez que je me suis abonné car les vidéos et lives que vous produisez sont d'excellente qualité. Bon live à tous. Merci beaucoup, Flemme9000. Ça fait plaisir. Eh merde, ça fait pas plaisir. J'ai plus de Dracourage. Crustabri très fort en défense, mais pas en attaque spéciale, mon petit Crustabri. Cette Jojo pose que font les pêcheurs. Parce qu'ils sont assis. À tous les coups, tu les as vus accroupis. Attention, ils sont assis. Hein. Ah bah voilà, Adjustic niveau 40. De level 40. Voir un petit peu. Ouais, ils sont assis. Tu vois les pêcheurs, 2200 balles. 10 fois plus. Quand même, ça rigole plus. Ok, d'accord. Bouh. Reste donc avec moi le temps d'avoir une touche. Il est chelou, lui. Très bizarre. Pêcheur Noël. Comme les boules. Oh, si, c'est rigolo. Oh, le coup critique, le coup de queue que je t'ai mis. Monsieur Noël Flantier, vous faites des jolies photos. Faudra que je la dise à Armand, celle-là. Les bonnes refs. Je me suis refait la trilogie, là, il y a 3 mois, je crois. J'ai envie de me la refaire. Enfin, surtout les deux premiers après. Ah ouais? Toujours rien ici, d'accord. Bon. J'ai attrapé tous mes Pokémon dans l'eau. Jacques. T'es mauvais, Jacques. Tu sais pas jouer. Oh, mais la ref avec chaque nom, mais c'est flippant, hein, c'est fou. Ça fait 2 refs au ESS 117, hein. Forcément, il s'appelle Jack et Noël. C'est forcément une ref au ESS 117. C'est fou. Après, on va voir Hubert. Et on verra Lucien. Bramar. J'ai réservé au nom de Bramar. En vrai, c'est un peu bizarre des pêcheurs qui veulent taper un gosse de 12 ans qui ne fait que passer. Ah bah ça, c'est Pokémon résumé. Hein. Malheureusement, on s'est littéralement fait péter la gueule par tout le monde. Allez, encore un qui veut vivre pour les caméras, qui veut faire le show devant vous. Allez, j'ai compris. Il s'est pété les couilles, hein. Il a décidé de me saouler, ce Staros. Il a décidé d'être casse-couille, hein. C'est le dresseur qui veut pouvoir dire aux autres intelligences artificielles, regardez, j'ai tenu plus d'un tour, moi. J'ai tenu plus d'un seul tour, les gars, je suis meilleur que vous.
Et ça crève. Tu dégages. ...296 balles, ça veut dire qu'il en a une plus... petite, du coup, que celui d'avant. Le ciel, le soleil et la mer. Pacom, j'aurais tellement rigolé si ça avait été encore un nom qu'il y a dans SS. Première fois qu'on vient, qu'on voit un Tetart dans cette run. Ou même un petit tar ou un tartare, mais on n'avait jamais vu encore une des trois évolutions. Moi je trouve ça fou. Tellement dégueulasse ce Pokémon, putain. Je comprends rien. Non, je pense pas que je vais y jouer au remake de Paper Mario. Enfin, pas tout de suite du moins. Je pense que j'y jouerai parce que c'est mon Paper Mario préféré. C'est un de mes jeux préférés, vraiment. Mais non, j'ai pas envie là tout de suite de dépenser et de jouer un jeu que j'ai fait des dizaines de fois. Enfin, pas là tout de suite en tout cas. Mais faut avouer quand même que le remake, il me fait un peu de l'œil parce que c'est quand même le remake d'un jeu que j'adore. Je pense pas que je vais le prendre dès cette semaine. Peut-être lundi prochain. La grosse diff. Merci pour la vidéo sur BioShock, je t'adore. Mais merci à toi, I'm the best. J'ai des coups de soleil, bien sûr. C'est très intéressant. Pozo, elle tient le coup, hein. Depuis tout à l'heure, elle est en train de souffrir, mais... Tarpo ou Tartar Enjoyer? Oh non, je dirais Tarpo. Je dirais Tarpo. On le voit plus rarement, donc... Jérôme. Un petit Starry, c'est mignon. Je pense qu'on est mort, là. Pas Lilliput, s'il vous plaît. Pas Lilliput. S'il vous plaît. Ah, ça passe. Et stylée l'animation d'ouragan quand même. Hein. Je la préfère à celle de Tornade. 36-15 My Life, mais c'est nécessaire. Oh, un Carabaf! What the fuck? D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais ils avaient, on avait vu il y a pas longtemps le ce qu'aurait dû être l'évolution de Carabaf, enfin ce qu'aurait dû être Tortank, et c'était beaucoup plus proche de Carabaf de base. C'était assez intéressant à voir. C'était assez stylé. J'aime bien Carabaf, j'aime bien. J'ai perdu le rythme. C'est l'heure de changer de rythme. T'as Axiul dans 3 levels. Courage mon con, courage.